Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième jour de l'aventure. Et aujourd'hui, nous allons à un marché aux puces. Vous allez voir, c'est un truc de malade. C'est le plus grand marché. Voilà. Et en plus, ça, aujourd'hui, il fait beau. Pas comme les deux jours qu'on avait. Il fait beau. Par contre, il fait froid là le matin. Donc, j'ai mis un manteau. Mais ça va être génial, je pense, aujourd'hui. Et en plus, ça, après le marché aux puces, au fait, il y a un truc génial. Tout le monde s'arrête pour boire un coup ensemble. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti, on y va. These skies have a different light. Why noise it keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I want it to stay. Ça y est, on est arrivé, c'est juste derrière. Donc c'est l'une des plus grandes d'Europe apparemment. Donc on va aller voir ça. On va regarder ça. Ouais, bah ça a l'air grand, en fait c'est dans les petites ruelles comme ça. On va aller voir ce marché. Bonne famille, tout est bien clair. Elles sont belles les montagnes gousses. Bon, on est dans l'une des plus grandes d'Europe. Hein? Ouais. Et on a pris une sorte de les montres anciennes là. Je vous ai montré un peu avec un bateau pour mon père parce qu'il adore ça. Et franchement c'est super comme marché. Ah casquette. Bon c'est bon j'en ai assez. J'en ai trop deux que j'ai acheté aujourd'hui. Enfin hier. On a de ça. De quoi? Ça. Vaut mieux quand même, on sait pas. Bah on en a de ça. Ouais. Ouais, même que... En plus, ils font ça avec leur... Paris. Ils font ça, tu vois, comme chez nous, ils font ça avec leur téléphone. Oui. C'est bien ça. Avec carte bleue? Carte bleue, oui. Ah oui, c'est... T'as pris le petit? C'est celui-là, ouais. Ouais, comme ouais. Ouais. Un petit, ça. Bon voilà, on a fait un peu le tour. On va attendre 13h. Normalement, il y a un truc 13h où tout le monde s'arrête pour boire un coup ensemble. Donc, on va voir. Et c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment une des plus grandes. Hein. Il y a vraiment de tout. J'ai acheté pas mal de choses déjà là. Donc, on va s'arrêter un peu. Donc, voilà. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? Là, on va aller à un restaurant de paella. Pour moi, le problème, c'est que dans la paella, il y a des trucs que j'aime pas, comme les moules et tout ça. Donc, je vais pas prendre une paella, mais je vais goûter, c'est à ma mère. Je vais prendre des tapas. On va voir ce qu'il y a. Mais voilà. Et regardez, des petites ruelles comme ça. Par contre, ça monte là. Je suis essoufflé. Là, on est dans le vieux Madrid, je pense. On est vraiment dans le vieux Madrid. Ouais.
Bon voilà, on est sorti du restaurant, c'était super bon, la paella était super bon. Bon, j'ai pas goûté, mais ils ont tout fini, donc à mon avis, c'était bon. Et notre tapas, franchement, c'était voilà, un petit mélange, c'était très très bon. J'ai tout mangé, j'en avais marre, mais c'était énorme. Donc il est 2h, on va voir ce qu'on va faire pour l'après-midi. En tout cas, j'aime bien ces petites rues là, les petites ruelles comme ça là. Moi, j'aime bien me promener comme ça. Bah, tu vois pas, la caméra est vers moi. Là, tu, on te voit là. Là, on te voit. Alors, c'était bon la paella? Super bonne. Et pas trop lourd, c'est bien. Ouais. Non, plus l'hiver, c'était pas trop copieux. Voilà, ouais, c'était pas trop copieux. Moi, j'ai trop mangé par contre, moi. Ouais, bah, vous avez mangé, vous j'en peux plus. Mine de rien. Ouais, bah oui, on a fait un mélange. C'était vraiment copieux, vous. Ouais, ouais, c'était copieux. Mais ouais, c'était là, super bon. C'était super bon. Moi, je pense que je vais faire une bonne note. Et si vous voulez l'adresse, si vous voulez l'adresse ou l'Instagram, je mettrai l'Instagram ici sur en description. Sonia, elle a pris son Instagram, donc elle va me le passer comme ça. Et je mettrai l'adresse, comme ça vous verrez un peu si vous voulez y aller à Madrid. Bah, allez à cette adresse-là, parce que ils sont sympas en plus. Il y en a 2-3 qu'on peut conseiller. Hein. Ouais, 2-3 qu'on peut conseiller, ouais. Donc voilà. Wow. Là, c'est bon, là. Magnificos. Alors une photo de voiture, ça serait quoi? Oui, non, c'est devant. Regardez ça, la Ferrari devant l'hôtel. En même temps, c'est du 5 étoiles, donc... mais regardez, la Ferrari. Ah, j'adore les voitures en plus. Voilà. C'est le ballon. Ah, ça, ceux-là sont bons aussi. Oh là là, oh le moteur. Donc là, nous sommes juste devant le Muséum d'Histoire Naturelle. Ça fait trop bizarre parce que j'ai travaillé pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris dans le 5e arrondissement. Et là, voilà, je suis devant. Peut-être si je veux habiter en Espagne, peut-être je pourrais travailler là, vu que j'ai vraiment l'expérience dans les muséums. Donc voilà, donc ça fait plaisir, hein. Mais c'est vraiment presque le même quand tu vois. Donc les os de dinosaures et tout ça, mais oh, bon, on va pas rentrer dedans, hein. Mais voilà, je suis content. Bon, on n'est pas rentré dedans parce que voilà, nous on connaît. Nous, on rentrait gratuitement au Jardin des Plantes, là. Mais ça fait plaisir quand même
de voir ce musée, quoi. Ça me fait rappeler des bons souvenirs. Coucou! Ça va? Ça va, fatigué, mais ça va. On va se reposer un peu avant d'aller au restaurant. Là, c'est classe, hein? Du 5 étoiles, hein? Et voilà. Bon, voilà, là on était rentré à l'hôtel pour aller se reposer. Là on va ressortir pour aller avec l'équipe Travel Advantage parce que on va aller boire un coup ensemble. On n'a pas eu l'occasion tous ensemble. On est à peu près 15 et après on ira au restaurant. Je ne vais pas trop manger parce que j'ai trop mangé en ce moment là. J'en peux plus. Je pense que je vais prendre une salade, va voir. Mais voilà. Allez, let's go. Italie. La Martinique. À la Guyane. On a la Guyane. On a la France, la Belgique, l'Italie, ouais, et la Guyane. La Guyane, tu viens de Marie. C'est déjà pas mal. Elle est comment? Une belle brochette, une belle brochette de spécimen. Voilà, elle est comment? Sinon je prends des photos, mais que je vois toutes les photos qu'il y a sur la... C'est piqué, hein. Ah ouais. Ah, bah, tu n'as pas choisi. Ouais. Ça nous a embêté hier pour prendre un caractère. Là, je ne vais pas payer plus. Ah, ouais. Non, nous, c'est pas épicé. Ah. Parfait. Ça va. C'est très bon. Bon voilà, nous sommes rentrés à l'hôtel. Du coup, c'était vraiment une journée soft. Hein. On a fait le marché, et après on s'est promené autour de l'hôtel. Après on a été au restaurant. Franchement, le restaurant c'était super bon. Bon, c'était pas un restaurant espagnol, hein. C'était un restaurant indien, mais c'était super bon. Comme je vous ai montré, c'était vraiment, moi j'ai pris une salade avec du poulet dedans, c'était super bon, il y avait du goût. Et toi maman, t'avais pris quoi déjà? Non, bizarre, voilà, c'est le plat s'appelle non bizarre, moi, mais il y avait des crevettes dedans. Avec une sauce piquante, du riz, voilà. C'était super bon. Et ce qui était bien, en fait, on était mélangés entre donc membres Travel Advantage. Donc ceux qui veulent voyager moins cher, évidemment, j'en parle beaucoup parce que cette vidéo est partenaire avec Travel Advantage. Travel Advantage, c'est quoi? C'est une plateforme privée de voyage qui permet aux gens de voyager beaucoup moins cher que dans d'autres plateformes. Alors, pourquoi on est moins cher? Parce qu'en fait, Booking, Expedia, etc., eux, ils payent à peu près donc 11 millions d'euros de publicité. Nous, c'est grâce à la recommandation
comme signe que vous allez au restaurant et que vous allez que vous trouvez bon le restaurant, bah vous allez en parler à des gens. Et ben nous c'est le même système, donc on parle à des gens et c'est comme ça que justement on a des prix sur les hôtels. Voilà, donc n'hésitez pas, je mets le QR code ici, il y a toutes les informations. Si ça fonctionne, hein, évidemment, je vais essayer avec le montage. Et de toute façon, en description, vous aurez le lien de mon site. Donc, allez-y, n'hésitez pas, c'est cadeau. Allez, du coup, je vous laisse, on va aller dormir. Demain, c'est le grand départ. On part à 20h50, notre avion. Donc, on a toute la journée. Vous allez voir, on va aller voir le stade. Après, on va voir ce qu'il y a à faire après. Donc ça sera le dernier épisode. Je sais pas si ça va durer longtemps. Déjà là l'épisode là, ça dure pas trop longtemps parce qu'on n'a pas fait grand chose. Mais peut-être demain, il y aura un peu plus de choses à voir. Donc n'hésitez pas à voir. Donc ça sera la semaine prochaine pour vous, pour le dernier épisode. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.